Years ago, Laura Majors, my executive assistant, got a phone call from a lady in Birmingham, Alabama. At the end of the conversation, she said, "Zig," she said, "I believe this woman thinks she's got an impossible problem, but I believe you can solve that problem with her in just a few minutes if you will spend that time with her." I said, "Well, Laurie, tell her to meet me backstage. I'll get there about 10 minutes early." My schedule was such that was about all I had. Well, I got there and I was on backstage behind the curtain on one side. She spotted me from the other side. And as she walked across the stage, I had never seen as much anger in a human being in my life as I saw in her. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Zig Ziglar. Il a été un auteur américain, un vendeur, un conférencier en motivation. Il a servi dans la marine des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale de 1943 à 1945. Et en 1968, il est devenu le vice-président et directeur de la formation de la société automobile Performance. Il est Zig Ziglar et on va voir ensemble dans cette vidéo ses 10 règles d'or. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Zig Ziglar, plus précisément les 10 règles d'or de Zig Ziglar qui lui ont permis d'atteindre le niveau de vie qu'il souhaitait. Je t'invite dès maintenant à bien t'asseoir dans ton siège, à bien te mettre confortable dans ton train, ta voiture, éventuellement prendre un petit café avec toi, être attentif, laisser passer le temps, laisser passer les embouteillages, on attaque. Alors, qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Zig Ziglar? Zig Ziglar est né le 6 novembre 1926 en Alabama, aux États-Unis. Comme je te l'ai dit en préambule de cette vidéo, c'est un auteur américain, un vendeur et un conférencier en motivation. Il explique notamment à travers les différentes conférences qu'il propose qu'un jour, c'est une rencontre qui a changé sa vie entièrement. Et c'est souvent ce qui nous arrive dans nos vies. On rencontre une personne qui, pour nous, nous paraît inspirante ou pour laquelle on se met un petit peu en retrait parce qu'on ne sait pas trop qui elle est. Elle n'est pas dans le commun des mortels, comme on dit. Et bien voilà, Zig Ziglar a rencontré ce genre de personne dans sa vie. Et cette personne lui a dit, tu seras un jour le champion lorsque tu as réussi et lorsque tu auras réussi à faire les entraînements d'un champion. Tout simplement pour lui expliquer qu'en fait, il devait s'entraîner et progresser tel un champion, tel un boxeur qui répète ses coups quotidiennement, tel n'importe quel sport où la répétition, quand on gagne un sport concret, on observe que la répétition est quelque chose d'important. Et c'est exactement ce qui a permis à Zig Ziglar de se mettre à croire en lui, se mettre à croire en son potentiel, de savoir qu'il pouvait être le champion s'il répétait les gammes dans ce qui le passionnait, dans ce qui le motivait. Je t'ai justement partagé dans la description de cette vidéo les sources qui m'ont permis de construire cette vidéo et aussi un de ses livres, Rendez-vous au sommet à 20 €, un livre que tu peux trouver sur Amazon, commander dès maintenant et recevoir très rapidement ce livre dans lequel justement Zig Ziglar partage en fait sous forme différentes histoires, différentes rencontres, 170 rencontres grosso modo, toutes les attributs du succès. Par exemple, la fois où il a rencontré un jeune homme qui souhaitait gagner 1 million de dollars dans l'année qui va suivre, mais qui n'avait pas de plan d'action, qui ne savait pas comment faire, et Zig Ziglar lui a expliqué comment ne pas gagner 1 million de dollars, mais comment se préparer à gagner 1 million de dollars plus tard avec des routines, avec justement cet entraînement de champion, où il explique notamment par rapport à cet entraînement de champion que le débutant en boxe, il ne s'adresse pas tout de suite aux champions au monde de boxe quand il arrive pour débuter, débutant, il va plutôt progresser, s'entraîner et prendre, défier un adversaire légèrement plus fort que lui. Et c'est à force de défier des adversaires plus forts que lui qu'un jour il sera juste la personne un peu moins forte que le champion du monde. Et c'est ainsi qu'il pourra combattre. Donc c'est tout ce travail d'étape par étape qui permet à chacun de progresser, d'avancer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au sommet. On va attaquer les 10 règles d'or et dès maintenant je t'invite à apprécier la vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir comme tu l'as découvert et je t'invite également à partager dans les commentaires la règle d'or qui fait le plus écho pour toi dans cette vidéo. Alors la première règle d'or de Zig Ziglar, c'est avoir un rêve. Avoir un rêve est l'un des plus grands stimulants que nous puissions avoir. Et le problème d'avoir un rêve, c'est que des fois on n'en a pas.
On n'en a pas parce qu'on est dans des chapitres de sa vie qui sont passés, qui sont difficiles, et on n'arrive pas à se projeter, à vivre l'instant présent en étant vraiment concentré sur ce qui est en train de se passer dans notre vie, et on arrive justement encore moins à regarder ce qui va se passer, quel est notre rêve que nous souhaitons. Nous avons peut-être éventuellement des petits rêves qui sont justement liés au passé, mais pas des rêves qui sont démunis, déliés du passé. Et avoir un rêve qui soit délié du passé, un rêve qui soit vraiment constructif, qui puisse se construire à partir de maintenant, c'est l'un des plus grands stimulants qui permet de pouvoir se motiver à devenir justement le champion que l'on souhaite. À l'image, par analogie d'un champion de boxe, d'un débutant qui veut devenir champion du monde de boxe, eh bien, vouloir devenir champion du monde de boxe, quand ça nous passionne, quand on sait ce qu'on a envie de faire, et bien quand on va y penser chaque jour, quand on va penser à ça chaque jour, on va avoir envie de s'entraîner, on va avoir envie de répéter, on va avoir envie de défier la personne qui est juste au-dessus de nous, de s'inspirer des personnes qui sont juste autour de nous pour pouvoir progresser. Et avoir un rêve, c'est exactement la même chose, c'est le rêve de vouloir être un champion dans quelque chose, être son champion dans sa propre vie, quelque chose qui est très sympathique. Donc comment peux-tu aujourd'hui, à l'image d'un boxeur, définir le rêve et comment peux-tu mettre de parenthèse ton passé pour juste te mettre à projeter ton avenir et surtout vivre ton instant présent avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de plaisir parce que c'est ce qui te passionne que tu réalises aujourd'hui. Deuxième règle d'or, c'est penser comme un champion. C'est encore une fois très lié au niveau du sport que Zig Ziglar nous propose et on voit ce côté un peu ancien militaire qui justement a trouvé, compris des choses, des principes qui lui ont permis de vraiment rester motivé et rester surtout d'une énergie. Quand vous l'entendez parler dans ses séminaires, vous observez qu'il parle comme s'il était en train de rigoler, comme s'il avait du plaisir vraiment, et on l'écoute, on se dit mais c'est trop au début quand on se met à l'écouter, puis en fait à un moment donné on commence à avoir de l'énergie, de la joie à écouter une personne comme lui. C'est absolument extraordinaire. Et penser comme un champion, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux avoir les gestes d'un champion, mais si tu n'as pas la psychologie de te dire que tu vas marquer des points, que tu vas gagner, que tu vas réussir, tu n'arriveras pas à devenir champion. Tu arriveras peut-être à devenir un très bon boxeur, mais tu n'arriveras peut-être pas à devenir le champion de ta catégorie, parce qu'il faut, pour cela, s'entraîner avec la psychologie du champion. Quelle est ta psychologie dans le domaine, dans le rêve que tu as, qui te permettrait d'avoir justement eh bien, cette attitude de champion? Quelles sont les attitudes des champions que tu vois autour de toi et comment peux-tu te rapprocher d'un de ces champions le plus rapidement possible qui éventuellement eh bien, peut t'inspirer et te permettre de devenir à ton tour un champion dans le même style ou dans un style différent de la personne qui est autour de toi? C'est important de trouver comment penser parce que l'action suit la pensée. Donc il faut que tu penses correctement pour avoir une action qui soit correcte. Troisième règle d'or, c'est être engagé. Lorsqu'on se lance, on va avoir de la motivation au départ et ensuite la motivation va éventuellement bien se modifier. On va avoir des habitudes qui vont se créer et on va plus être stimulé de la même façon. Il faudra des fois forcer son énergie pour réussir à fonctionner. C'est encore une fois comment on va penser qui va nous permettre de faire tout ça. Mais pour que nous puissions justement agir sur notre pensée, agir pour s'entraîner, progresser, il faut être engagé dans son objectif avec des petits objectifs à court terme qui nous permettent de nous stimuler, de nous dynamiser et de voir notre progression par rapport à ce que nous avons réalisé les derniers jours. Quatrième règle d'or, c'est faites-le maintenant. Les pensées que tu peux avoir, les choses qui vont te permettre d'atteindre ton rêve, d'avancer vers ton objectif, c'est bien de les penser et surtout si elles sont vraiment intéressantes, mets-toi à les pratiquer maintenant. Fais les choses qui sont maintenant les plus importantes pour toi aujourd'hui. Comme dit Arnold Schwarzenegger, early to pay, early to rise. Le plus tôt tu vas payer l'entraînement que tu dois faire et le mieux tu vas progresser, le mieux tu vas entretenir ton corps, le mieux tu vas avancer vers ton objectif. Le plus tard tu vas prendre le temps pour pouvoir avancer vers ton objectif et le plus dur tu vas réussir à avancer. Plus difficile sera de prendre le rythme, de t'habituer à casser l'habitude de confort dans laquelle tu t'étais mis pour ne rien faire, pour rester tranquille. Cinquième règle d'or, c'est être prêt. Tu dois être prêt pour toute opportunité. C'est encore une fois Les Brown qui explique ça. Il vaut mieux être prêt pour une opportunité et ne pas en avoir une que d'avoir une opportunité et ne pas être prêt. Donc sois prêt pour les opportunités dans ta vie qui puissent arriver. Quels sont les postes dans ton entreprise, dans les endroits où tu travailles, qui sont plus élevés que celui que tu as aujourd'hui et quelles sont les compétences, les caractéristiques qu'il est nécessaire d'avoir et que tu n'as pas encore aujourd'hui et sur lesquelles tu dois te former dès maintenant? C'est en regardant tout ça, c'est en relativisant, en ayant la visibilité de ce qui va se passer, des compétences que tu n'as pas et être au courant que tu n'as pas toutes les compétences au monde et que tu dois les développer en te formant, en te développant, en progressant,
Eh bien, il faut que tu sois prêt et grâce à tout ça, tu vas devenir prêt. Quelles sont les choses qui vont te permettre d'atteindre le prochain niveau? Un boxeur débutant sait qu'au début, pour combattre le champion du monde, il faut déjà qu'il apprenne à mettre un coup. Quand il débute, s'il ne sait pas mettre un coup, il n'aura pas touché. Ensuite, quand il sait mettre un coup, il faut qu'il apprenne à mettre un coup et ne pas être touché en retour. Ça veut dire de réussir à frapper. Ensuite, quand il arrive à faire ça, il faut qu'il arrive à ne pas être touché sur l'attaque d'un adversaire et qu'il arrive à toucher en retour en riposte. Ensuite, quand il arrive à faire ça, il faut qu'il arrive, quand il est touché, à riposter très rapidement avec beaucoup d'efficacité. Et enfin, il faut qu'il arrive à anticiper les coups de son adversaire, le mettre en défaut et observer le fonctionnement de son adversaire. Donc tout ça, ce sont des étapes qu'il faut travailler en boxe, très facile à résumer, mais c'est simple et pas simpliste encore une fois, pour justement arriver à boxer. Donc sois prêt, soyez prêt par rapport à vos objectifs. Sixième règle d'or, c'est garder votre mot. Les gens peuvent voir ce que vous observez, ce que vous projetez de réaliser, mais vous pouvez garder votre mot par rapport à tout ça. Vous pouvez aussi garder votre mot par rapport à des pensées que vous avez sur les autres autour de vous. Il y a des choses qu'on pense des fois, mais qui ne vaut pas la peine d'être dites parce que la vérité n'est pas toujours mangeable, comme on dit. On n'est pas toujours capable de pouvoir entendre la vérité. Gardez votre mot, continuez à avancer. Soyez un petit peu égoïste sur ce point-là parce que vous allez apporter votre valeur à l'ensemble de l'organisation et donc en retour, vous pouvez aussi garder votre mot qui parfois pourrait blesser et contraindre d'autres personnes à ne pas réussir à bien fonctionner. Septième règle d'or, c'est fixer des objectifs et c'est encore une fois dans avoir un rêve et il le parle bien dans son livre « Rendez-vous au sommet ». C'est fixer des objectifs intermédiaires, différents objectifs, faire des planning maîtres, des rétro-planning, des plannings dans lesquels on va avoir des étapes datées, des jalons qui vont nous permettre d'avancer, de trouver justement comment réaliser les actions quotidiennes et arriver jusqu'à nos buts. Fixer ces objectifs, c'est ce qui va nous permettre de bien réussir. Les études d'Harvard le démontrent, quand on fixe un objectif en fin de son cursus scolaire, eh bien les 3% qui vont fixer leur objectif vont avoir une rémunération des postes beaucoup plus significative que la majorité des personnes 20 ans plus tard. Donc si tu fixes ton objectif, tu prends 5 minutes pour écrire sur une feuille quels sont tes objectifs de vie à court, moyen et long terme, tu auras déjà une vision et tu avanceras avec un éclairage, avec une visibilité et aussi surtout une sécurité parce que quoi de mieux que de savoir sur quelle route on va marcher pour atteindre notre succès et aller au sommet. Huitième règle d'or, c'est évaluer où vous en êtes. On a vu qu'il faut être prêt, donc ça veut dire qu'il faut également, quand on veut être prêt pour une situation, pour une opportunité qui arrivera un jour, il faut évaluer où on en est. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie et est-ce que tu es 100% prêt ou 100% acquis par rapport à ce que tu réalises aujourd'hui ou est-ce que tu as besoin encore de formation, d'accompagnement, de coaching pour justement atteindre la fin de ce niveau, de ce cycle pour pouvoir passer à un autre cycle. C'est très important d'évaluer où on en est par rapport à sa propre vie, sa relation, ses finances, son corps, son esprit pour pouvoir justement progresser. Il faut travailler sur l'évaluation, sa propre situation et très régulièrement revenir sur sa propre situation. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ce processus et est-ce que j'ai avancé par rapport à mes objectifs, est-ce que je les ai remplis, est-ce que j'ai pas pu les remplir et pourquoi je n'ai pas pu les remplir, qu'est-ce que j'ai réussi à avoir en collatéral. Il y a toujours une stratégie qui est souhaitée, voulue et puis il y a toujours une stratégie qui est émergente qui finalement avec la perte de la stratégie voulue, avec les pertes en ligne qu'on a pu avoir par rapport au fonctionnement, eh bien on a eu une stratégie qui s'est mise en place qui était différente de celle qu'on pensait. Est-ce que cette stratégie qui a été mise en place est acceptable par rapport à la fourchette qu'on s'était donnée ou est-ce qu'elle n'est pas acceptable à toi de juger par ton évaluation. Neuvième règle d'or, c'est avoir de l'intégrité. Être intègre, est quelque chose d'important dans la vie. Être intègre, c'est respecter les gens autour de soi, c'est respecter les systèmes qui sont autour de toi et c'est aussi de parfois garder le mot quand des choses vont devenir un peu trop pénibles. Un peu, c'est être politique, c'est savoir pas forcément faire de la langue de bois, mais parfois savoir garder et avoir de l'intégrité pour les autres, respecter, avoir des valeurs en respectant les autres, notamment qui sont autour de soi, et puis les organisations qui sont également autour de nous. Enfin, dixième et dernière règle d'or, mais la plus importante, c'est n'arrêtez pas, ne quittez pas ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui ont des rêves, qui vont se lancer, qui vont devenir engagés, et puis quand ils ne vont pas voir leurs résultats arriver parce qu'ils n'ont pas fixé les bons objectifs, les bons jalons, ils se sont fixés de perdre 18 kilos en 2 mois, ce qui est juste impossible, alors que 18 kilos en 16 mois par exemple, c'est juste 1,3 kg grosso modo par mois. Peut-être que c'est beaucoup plus accessible. Et sans justement avoir fixé tous ces objectifs, tous ces jalons intermédiaires sur le chemin, les gens vont se dire « je n'y arrive pas ».
ça n'a pas d'impact que je réalise, donc je m'arrête. Parce qu'ils pensent qu'à long terme, ça ne fonctionne pas. C'est juste que ce qui ne fonctionne pas sur le long terme, c'est la façon dont ils ont évalué leur objectif, qu'ils ont fixé leur jalon et qu'ils n'ont pas réussi justement eh bien, à connaître, à avoir la visibilité du chemin qu'ils empruntaient. Et alors qu'ils ont fait la moitié du chemin, ils ne se sont pas rendus compte et ils pensent avoir fait seulement que un dixième du chemin qu'il devait parcourir. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Et pour te remercier du temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant gratuitement mon guide et podcast exclusif « 7 idées d'habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations » et tes finances. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. She almost started crying when she saw me. She said, oh, I'm just so glad to see you. I got this horrible job. I hate it. I hate everything about it. I hate everybody down there. I mean, you're talking about negative nails. She was it. She said, can you help me? Now understand, I've only got about 10 minutes. So I looked at her, and one thing I have learned, I don't do counseling, but I talk with a lot of people who do, in psychology, psychiatry, and the ministry. And they tell me that everybody who comes to you with a problem are not necessarily looking for a solution. I couldn't understand that for a long time. Why do they bring you a problem if they don't want to solve it? Well, I can tell you why. They want to tell you about it, you about it, you about it, you about it, and you about it. And if you foul up the deal and solve the problem, they can't tell you again. They want the attention that goes with the problem. And every company just about it has that kind of an individual. They want the attention that goes with griping and complaining. Well, I looked at the lady, and it wasn't unkindly, but firmly I said to her, yes, and you know, ma'am, I'm afraid your problem is about to get worse. She said, what do you mean? I said, I believe they're gonna fire you. She was stunned. I couldn't have stunned her more if I'd hit her in the face with a bucket of ice water. She said, fire me? Why on earth would they fire me? The inflection in her voice clearly said, they're the bad guys, I'm the good guy. Why don't they fire them and keep me? Have you ever noticed that people who are the problem never recognize that they are? They're in complete denial.